n'yo a sɛbɛnnen k'a fɔ infraction minnu ko Rose y'a kɛ a daluya t'a la a tɛ cybercriminalité loi kɔnɔ parce que ko appel à révolte trouble à l'ordre public ani offense au chef de l'État par le biais d'un système d'information o de ye ko cybercriminalité loi min bɛ yen o ye infraction prévoit ko donc nin infraction saba b'o hukumu de kɔnɔ. Or, il y a faux procureur et audience là. On va défier l'ensemble. À quand il y a loi qu'on a, cybercriminalité loi qu'on a, loi même va prévoir trouble à l'ordre public, ou bien appel à la révolte, ou bien outrage au chef de l'État. À te saria qu'on a, à saria qui c'était. Donc, il y a faux procureur qui a communiqué qu'à saria de la laine et donc, à te cybercriminalité qu'on a. Dernière jateminɛ yɛrɛ trouble à l'ordre public min filɛ k'a fɔ sariya kɔnɔ article 63 code pénal trouble à l'ordre public ye min ye n'i taara sira la ka sira tigɛ ka barikadiw kɛ ka pneu jeni ka mɔgɔw ja wuli dugu kɔnɔ sariya article 63 y'o de o tɛ se ka kɛ réseau kan n y'o de fɔ procureur président ye n k'o tɛ se ka kɛ réseau kan donc o min fana réprochelen don Rose la. A tɛ se k'o kɛ réseau kan est ce que i bɛ se ka pneu jeni réseau kan i bɛ se ka barricade kɛ réseau kan c'est pas possible donc enfin offense au chef de l'état o fana sariya min don 147 code pénal ko pour que i ka n'a fɔra k'i ye chef d'état dɔgɔya a ka sɔrɔ i taara réunion publique de la ka taa kuma dɔw fɔ min bɛ fɛngɛ mafiya ya chef de l'état mafiya ou bien jamana wɛrɛ chef d'état bi an nana visite la mali la i y'a mafiya réunion publique la. Ou bien sɛbɛnni kɛ k'a di réunion ou lieu public là c'est ça l'offense au chef de l'état alors outrage ni violence c'est dɛ c'est offense violence et outrage c'est les autres dépositaires de l'autorité publique comme le procureur lui-même n'y est violence qu'à l'est là c'est ça mais violence au chef d'état ça n'existe pas donc nous de fois tribunal là qu'a fait une infraction nous si n'existe pas donc tribunal effectivement finalement amassé à cas placata cybercriminalité tribunalière. Elle est capable de constater qu'une infraction n'existe pas, donc ça ne relève pas de la cybercriminalité. Donc, à ce moment-là, relaxé, comme il y aura ce relaxé, tu vois. Nous, on est en fait. Voilà.